par les mots, j'ai savouré les délices de la poésie et comblé le vide abstrait de mes désirs inassouvis. J'ai senti les mots naître du plus profond de mon être, porter la sagesse dans la sagesse de mes ancêtres. Un mot, un chant d'oiseau, un silence bruissant de l'univers me suffisent pour traduire mes sensations en un fil de verre. Entends-tu la danse furieuse de la mer quand elle affiche son visage coloré de pureté? Les vagues ne jouent pas, leur son n'est pas pervers. Elles parlent aux oreilles qui savent apprécier leur beauté. Peut-être parviens-tu à comprendre le langage mystérieux de la nature quand tout se parle par le truchement d'un simple regard. La poésie m'a tout dit. Elle est l'âme vivante de la littérature. Je l'épouse pour la vie, jamais la mort ne nous sépare. Par les mots, j'ai appris à écrire une vie à la fois éphémère et éternelle. Par leur magie, j'ai ajouté à la belle poésie africaine un souffle universel. J'écris sans papier, j'ai depuis très longtemps cassé ma plume. J'ai saisi mes vers sur le clavier, quand la bruse de l'inspiration me consume. Je m'appelle Serigne Nongo Tchoy, connu sous le nom d'Elas Nongo comme nom d'auteur. Je suis Louguetois et actuellement je suis étudiant en première année en thèse en sémiologie et communication à l'Université de Limoges. Je suis auteur de deux recueils de poèmes, Douce Cacophonie, qui est paru au mois de juin 2019 aux éditions Le Lys Bleu, et ce recueil ici, Cantique crépusculaire, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Oui, la motivation est venue au premier mois de confinement, juste après l'apparition du coronavirus. Et j'ai constaté qu'on vivait un peu dans un monde aussi noir, plein d'obscurité. Et j'ai ce sentiment d'espoir qui m'a permis de donner un peu de souffle à la souffrance dont souffrait ce monde-là. Oui, il y a beaucoup de thèmes qui ont été développés dans le recueil. Les premiers textes parlent un peu de l'inspiration poétique, ce qui m'a motivé pour écrire, et la conception même que j'ai de l'écriture. Ça parle aussi des thématiques considérant certaines pratiques comme inhumaines, comme la dépigmentation, l'infibulation de certaines femmes. Et je rends aussi hommage à certaines personnes qui m'ont marqué dans ma vie. Il y a aussi la présence du royaume d'enfance en tant que souvenir, royaume de mes souvenirs, ce qui justifie d'ailleurs l'omniprésence du soleil, qui est considéré comme une certaine lumière, comme la pureté de l'enfance. Ce sont entre autres les thèmes qui ont été développés dans ce recueil de poèmes.